Bonjour à tous, je suis Clotilde, je suis animatrice à l'EPGV pour la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, auprès des publics enfants, adultes et seniors, et je suis également directrice de formation pour cette même région pour encadrer donc toutes les activités de formation de ma région vers les animateurs. Donc en cette période de confinement, on essaye de rester un peu actif. C'est pas évident, c'est pour ça que nous vous proposons différentes vidéos. Aujourd'hui, moi je vais vous proposer une vidéo issue de la barre de danse classique, car je suis également professeure de danse diplômée. On va avoir une partie debout, une partie au sol. J'attire juste votre attention sur le fait qu'au niveau des genoux, il va y avoir beaucoup de pliés dans la première partie. Donc si vous avez une pathologie des genoux, c'est à vous, je ne peux pas vous voir, donc de gérer ça tranquillement. Et n'hésitez pas à ralentir chaque exercice, je vous le proposerai à deux vitesses différentes pour que vous puissiez être à l'aise. Vous n'aurez besoin que d'un tapis, pas pour le début du cours. Et nous allons donc commencer pour 30 minutes. Alors le premier exercice, les pieds sont ouverts sur les côtés. Quand je dis les pieds sont ouverts, c'est bien sûr à partir des hanches. Donc on ne cherche pas à forcer à tout prix. Le bon repère, c'est j'ai mes pieds serrés, je les ouvre d'un coup. Et normalement, de même, ils vont se mettre dans la bonne position. Le coccyx va vers le sol. On engage les abdominaux. Donc là, on va travailler dans ce premier exercice la sangle abdominale, la posture du dos, les abaisseurs des omoplates et les épaules et également les cuisses puisque nous allons plier donc avec les bras comme ceci. 4 fois, puis on fera un grand port de bras, je me recule un petit peu, voilà, on revient, toujours le dos droit, en poussant dans le sol avec les pieds, le sommet du crâne dans le plafond, puis nous ferons la même chose, les pieds en seconde position, à chaque fois qu'on plie, on fait attention d'avoir les genoux bien dans l'axe des pieds, avec le même port de bras, on fera un petit peu plus lent en seconde, puis on ira sur le côté, on refera 4 pliés, puis de l'autre côté, et on reviendra en première position pour faire travailler les chevilles en coordination avec les bras. Puis, on ferme les pieds, la même chose ici, hop, et enfin, nous reprendrons le début du premier exercice. Voilà, je mets la musique et on est parti. Allez, on serre ses deux pieds, on les ouvre raisonnablement bien à partir des hanches, on serre le ventre, on bascule le coccyx dans la direction du sol, on descend ses épaules, ses omoplates, et on va monter doucement les bras sans monter les épaules, on ouvre les bras sur les côtés, et on y va, les premiers on les fait lent. On monte les deux bras en couronne sans monter les épaules. Je me recule un petit peu. Et on ouvre à nouveau. Et à la même vitesse. Les bras. On ouvre. Et soit on reste à cette vitesse, soit on accélère un petit peu, comme on veut. Les bras, baisse les épaules, ouvre, et une dernière fois, ou rapide ou lent, les bras, ouvre, on ouvre les pieds lentement, pliez, ouvre les genoux, dos droit. Et on revient. Et les pieds. Garde le buste en place, ne gigote pas au niveau des hanches.
et on ferme les pieds. Même chose. Avec les bras. Et on ouvre à nouveau les pieds, on reprend plié. Monte. Serre les fessiers pour protéger le dos. Et encore une fois les pliés. Les bras. Sur le côté, on ouvre. Plus lent. Penchez, étirez bien la taille. Reviens doucement. Et le dernier. Penchez. Reviens. Ramène les pieds. Et on finit avec les deux bras ensemble. Monte lentement. Et ouvre, grandis-toi, pousse dans le sol. Et redescends doucement. Rond les bras. Monte devant. Ouvre le bras droit. Le bras gauche. Monte le bras droit. Monte le bras gauche. Et ouvre les deux. Et relâchez. Très bien, faites quelques pas. Pour le deuxième exercice, on va travailler le bas du corps et encore à nouveau les épaules. Donc au début, on a les pieds écartés et on va juste faire des vagues avec nos bras en essayant de bien utiliser la totalité des articulations, l'épaule, le coude, le poignet jusqu'au bout des doigts. Imaginez que vous avez de la peinture au bout des doigts et vous voulez faire un tableau tout autour de vous. Puis on va ramener ses pieds comme tout à l'heure, bien ouverts à partir des hanches. Soit on met les mains sur la taille pour plus de stabilité, moins de travail et de contraintes au niveau des épaules. Soit on peut les mettre sur les côtés ou bien également ici. On va tendre la jambe sur le côté, le pied reste au sol, les deux talons se regardent. 4 fois sur un côté, puis 4 fois de l'autre côté. On fera ça 2 fois. Ensuite, on partira sur le côté. On plie comme on a vu dans l'exercice précédemment. On pointe l'autre pied, on ferme. Le bras du côté où on est allé et l'autre bras. Et on fait pareil de l'autre côté. On pointe, on plie, on pointe, on pose le bras du côté où on est allé, le bras de l'autre côté. Et on revient au départ. Voilà. Et on fait ça plusieurs fois. Je vous lance la musique. Allez, on balance les bras, on décompose bien, épaule, coude, poignet, et on vient mettre ses pieds ici, en première position, on y va, côté, on change de côté, on s'étire le dos, on garde les côtes en place, l'autre. Attention, on part à droite. Le bras. Et l'autre côté. Et on reprend côté. Ou bien les bras ici comme tu veux. Change. Garde le poids du corps bien au centre. L'autre. Et on repart à droite. Bras droit. Et l'autre. Transition, on balance. Encore.
revient et on recommence tout du début. Et l'autre. Encore côté. Change. Attention, la même chose devant cette fois-ci. 4. Étire ton dos. Tends les pieds et les jambes. Encore, jambe droite, devant. Et sur le côté, pointe. Et le bras. Et l'autre. Et notre transition, on balance, si on a mal aux épaules, on reste vers le bas. On peut le faire en avançant un petit peu. En reculant. En tournant. Encore, balance. Et on reprend nos temps liés. Allez, la dernière fois, on essaie de les faire plus vite. Et balance. Vers le bas en avançant. En arrière. En tournant. Et on descend doucement par les coudes. Pour les deux exercices debout, relâchez un petit peu les épaules, le dos. Hop, ah. Alors, on va repasser maintenant. On va passer au sol. Donc, prenez votre tapis. Ici. Alors, je vais essayer de trouver la meilleure position pour que vous puissiez bien me voir. Bon, il faut que je me recule. Voilà. Tac. Je vais devenir toute petite si je me mets trop loin. Alors. Je vous montre, je vais me mettre en diagonale. Donc, on va démarrer assis. Voilà, hop. Je prends ma feuille. Et on va bien redresser le dos, serrer les abdominaux. Voilà, hop. Pardon. On va monter les bras. On va plier la jambe droite. On va la fermer. On va l'ouvrir et on va la retordre. La jambe gauche, fermer, ouvrir, étendre. Si vous sentez que vous avez trop de difficultés au niveau du dos pour vous tenir droit, vous pouvez attraper un ou deux gros livres ou dictionnaires, hop, pour les mettre sous les fesses de manière à avoir plus de mobilité au niveau du bassin. Ça ne va pas vous gêner pendant l'exercice. Donc on va faire ça à droite, à gauche, à droite, à gauche, puis les deux jambes en même temps. Hop, voilà, tac, deux fois. Ensuite, on va monter les bras, on relâchera un petit peu en avant. On n'est pas obligé d'aller très loin, on ne restera pas. Juste, on étire doucement, on revient, hop. Ensuite, on va faire exactement la même chose. On aura le temps de pousser les livres, ne vous inquiétez pas. Coucher sur le dos, ici. Donc, pareil, hop. À droite, à gauche, puis les deux jambes. Ensuite, on prendra les deux jambes pliées, on monte, on revient. On monte, bras et bassin, on revient trois fois, on bascule sur le côté, on s'assoit et on refait une fois l'exercice du début. Voilà, allez, c'est parti. Peut-être m'approcher un peu plus. Du coup, ça coupe. Non, c'est pas une bonne idée. Mmh.
étire bien son dos, on serre les abdos, on serre les omoplates derrière, on peut poser les doigts au sol. Et c'est parti avec la jambe droite, pliez, fermez, ouvrez, allonge, à gauche, fermez, ouvrez, allonge, les deux jambes ensemble, ferme, ouvre, allonge, plie, ferme, ouvrez, on reprend à droite, pliez, fermez, ouvert, tendu, pliez, fermez, ouvert, tendu, les deux jambes, ferme, ouvre, allonge, les deux jambes, ferme, ouvre, allonge, et les bras, et en avant, et remonte, et on ouvre, on va là où on peut, on n'est pas obligé d'aller très bas, si on a mal aux épaules, on pose les mains au sol, on revient, on ouvre, et là on a tout le temps pour s'installer sur le dos. On peut passer par le côté, le bras au sol, on ouvre les bras sur les côtés et la jambe droite, pliée, fermée, ouvrez, tendue, à gauche, fermée, ouvrez, les deux jambes, pliée, fermée, ouvrez, tendue. Serre bien le ventre, colle les lombaires au sol, protège ton dos à droite. Plié, ferme, ouvre, tend, plie, ferme, ouvre, les deux. Plie, ferme, ouvre, colle les lombaires au sol, serre les fessiers, engage le ventre, les abdos. Et reste fermé, pose, monte le bassin, les bras. Et reviens. Encore monte. Et reviens. Le dernier monte. Reviens. Bascule sur le côté. Assieds-toi. Et redresse le dos. Et plie. Ferme. Ouvre. Tend. Plie. Ferme. Ouvre. Tend. Encore. Plie. Ferme. Ouvre. Tend. Plie, ferme, ouvre, tend. Et les bras, relâche. Remonte et ouvre. Encore, monte. Et on reprend une dernière fois les jambes. Pliez, allez, courage, c'est bientôt fini. Tire le dos. Serre les abdos. Les deux jambes ensemble. Dernier. Et les bras poussent dans le sol. Relâche. Tu peux aller un peu plus bas si c'est possible. Remonte. Et encore. Inspire. Expire, inspire et ouvre doucement, tranquillement et relâchez. Je vais vite arrêter la musique. Hop. Alors, le dernier exercice, oula, ça fait des ombres. On va s'allonger sur le côté pour celui-ci, mais quand on va s'allonger, ça va faire partie de l'exercice. Donc, on va être ici assis, problème de lumière. On va s'allonger doucement. Si on a des problèmes de dos, au lieu de s'allonger comme ceci, on va directement passer sur le côté. Et on va s'allonger de tout son long. Je vais me tourner. Hop. Voilà. On serre les abdos, les fessiers contractés. On avance légèrement les jambes pour être sûr de ne pas se faire mal. On arrive au genou. On tend la jambe sans forcer. Hein. On la développe là où elle veut et on descend. On fait 4 fois. Ensuite, on plie les genoux. On passe en petit fœtus, on passe en sirène, on fait un grand port de bras ici et ensuite on va aller mettre les deux genoux de l'autre côté, puis on revient, puis on y retourne, puis on revient, on passe les jambes, hop, et on bascule pour faire exactement la même chose de l'autre côté,
quatre fois, la tête posée, pas comme je fais. Tac. On revient, genoux, sirène, bras. Et de ce côté, on va faire jambe devant, change de fesse. Jambe devant, change de fesse. Jambe devant, change de fesse. Jambe devant. Et on repasse au sol pour refaire exactement la même chose. Il y aura une petite transition au milieu, mais comme elle n'est pas compliquée, je vous la dirai en temps réel. Allez, c'est parti, c'est le dernier exercice. Désolée, c'est mon petit code qui rentre. Voilà. Allez, soit on déroule le dos, soit on va directement par le côté. On s'installe. On avance un petit peu les pieds, on serre le ventre et au genou. En l'air. On descend doucement. Allonge loin la jambe. Encore. Un petit dernier. Plie les jambes. Sirène, pousse sur tes bras pour remonter. Et le bras. Les genoux au fond. Devant. Et au fond. Devant. Change les jambes de sens. Et allonge-toi. Et c'est reparti pour l'autre côté. Genoux. Encore. Plus que deux. Le dernier. Plie les genoux devant. Pousse sur tes bras. Sirène. Et le bras. On croise la jambe devant. Change de côté. Change de côté. Change de côté. Et transition. Pousse vers le haut. Ouvre les bras. Arrondis, souffle. Et reviens. Et en haut. Ouvre. Arrondis, remonte. Et un dernier, en haut. Repose. Et on va retourner au sol. Et on va tout refaire du début. C'est parti. L'étirement dans l'aine. On pose les mains au sol et on change de côté. On descend bien la hanche vers le sol, on redresse le dos, on sent l'étirement. On revient.
s'assoit dans une position confortable et on étire un peu ses épaules parce qu'elles ont beaucoup travaillé, l'air de rien. On change de côté. Et deuxième. Restez, respirez tranquillement, redescendez bien l'épaule, pressez vers vous. On repasse sur le côté pour s'allonger. Et on va étirer les cuisses, on attrape le pied. Si on veut plus de stabilité, on plie la jambe de terre et on reste là. Allez-y, restez. Restez, moi je vais couper la musique pour la fin. Restez dans l'étirement de votre quadriceps. Et puis doucement vous revenez. Et on change de côté, soit en roulant, mais vous allez me tourner le dos, mais en même temps on ne se voit pas. Comme vous voulez, sinon on change de côté et on étire l'autre jambe. On attrape sa cheville, on ramène son talon vers sa fesse. On serre les abdos, on bascule un petit peu le bassin vers l'avant. On sent l'étirement sur le dessus de la cuisse. On relâche doucement. Et voilà, bravo à toutes et à tous pour votre effort et cette séance. J'espère qu'elle vous aura procuré du bien-être et du plaisir et vous aura distrait un petit peu. Et puis aussi, fait du bien dans votre corps. Et je vous dis à bientôt pour un autre cours. Bye bye!